الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لونج الله سيير دي لونيفير لا paix et la bénédiction d'Allah soit sur ses nobles messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le fils de Abdullah ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque les suivra sur cette voie salutaire qu'est la religion de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment qui nous a réunis dans l'une de ses maisons, en cette heure précise,
afin de se rappeler de ses paroles, afin de méditer sur ses paroles. Et cette occasion n'est pas donnée à tout le monde, surtout un dimanche soir. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Cette assise est organisée par la jeunesse au cœur de l'islam. La jeunesse au cœur de l'islam, cette association n'est plus à ignorer dans cette ville de Pointe-Noire. Ils participent dans plusieurs activités. Nous marquons ou nous remarquons leur présence dans beaucoup d'activités. Ils font ce qu'Allah les facilite. Et c'est ça la jeunesse dans la religion de l'islam. Notre conférencier de ce soir, il s'agit de Cheikh Qasim, Hafidhahullah Ta'ala, qui n'est plus aussi à présenter à Pointe-Noire ici. Il a fait le passage dans plusieurs mosquées avec ses prédications qui sont vraiment profitables pour la communauté musulmane. Nous demandons à Allah de le récompenser pleinement de ce qu'il a fait. Et le sujet qui est à traiter aujourd'hui, c'est la jeunesse et sa place au sein de l'islam. Chers frères en islam, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle-même qui juge l'avenir de l'islam de demain. Lorsqu'on regarde les jeunes musulmans d'aujourd'hui, directement nous arrivons à analyser comment sera l'islam de demain. Car ce sont eux qui vont prendre le relais de cette religion. Les vieux sont prêts à partir. Mais les jeunes, ce sont eux qui resteront étant les relèves de cette religion. Alors ici, je vais juste rappeler de l'histoire d'un jeune compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et ce jeune-là a marqué l'histoire. Il est connu dans l'histoire à travers ce qu'il a posé comme acte dans cette religion. Il s'agit du tout premier ambassadeur de l'islam. Je demanderai à ce jeune-là qui peut me rappeler de son nom, le premier ambassadeur qui a été envoyé pour aller représenter la religion de l'islam. Au temps du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ce jeune-là, alhamdoulillah, il avait des parents milliardaires. Il ne manquait de rien. Mus'ab ibn Umayr. Les commerçants avaient l'adresse de Mus'ab. Lorsqu'il recevait de la nouvelle marchandise, des jolis vêtements venant d'ailleurs, il appelait Mus'ab pour lui dire vraiment il y a de la nouveauté, il y a des nouveautés ici. Parce qu'il était capable d'acheter peu importe le prix. Il vient d'une famille riche. Et Mus'ab ibn Umayr, c'était un jeune très élégant. Il était très beau quand on le regarde, dans sa forme, dans sa taille. Quand tu le regardes, tu as l'envie de lui. Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'il passait par une ruelle de la Mecque, l'odeur du parfum va se faire sentir que Mus'ab a passé ici. Si quelqu'un arrive derrière lui, il sent déjà l'odeur du parfum. Ah non, ça c'est Mus'ab qui a passé ici. Parce que la qualité du parfum là, il n'y a que lui qui peut avoir. Mus'ab ibn Umayr a un peu plus de 30 ans. Voilà. Il va embrasser la religion de l'islam. Il va devenir musulman. Tous les clubs des jeunes de la Mecque, les jeunes cherchaient à ce que Mus'ab soit avec eux. Vous avez votre groupe, votre souhait, c'est que Mus'ab soit parmi vous. Il y a un autre groupe de l'autre côté, et aussi, ils cherchent que Mus'ab soit avec eux. Une autre équipe, et aussi, préfère que Mus'ab soit avec eux. Vu la place même que ce jeune-là occupait. Il avait tout ce qu'il avait besoin.
Il s'habillait comme il voulait. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Mais lorsque Moussab s'est islamisé, il s'est converti à la religion de l'islam, il avait d'abord caché à ses parents. Les parents ne savaient pas. Il sortait en cachette pour aller voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fil du temps, voilà un homme est venu informer aux parents de Moussab que Moussab est devenu musulman. Ils l'ont appelé, ils l'ont fait asseoir, ils l'ont posé la question, est-ce que vraiment tu es rentré dans la religion de Mohammed? Il a avoué, vraiment moi je suis rentré dans sa religion. J'ai été convaincu de ses arguments, je suis sûr qu'il est le dernier des prophètes et cette religion vient de Dieu. J'ai adhéré à sa religion. Les parents l'ont demandé de dénoncer. Les parents ont demandé de renoncer à sa foi, de quitter la religion de l'islam. Mais Moussab a dit non, j'y resterai. Et ils l'ont pris, ils l'ont attaché. Il a été emprisonné. Il est resté dans cet état-là, mais il a refusé de laisser la religion de l'islam. Et voilà, Moussab va rester comme ça jusqu'à ce que les parents même seront déçus. Celui-là, vraiment, il ne va pas quitter cette religion. Attends qu'on puisse le libérer. Et l'ont libéré, ça se trouvait que les musulmans s'étaient préparés pour aller à Habasha, en Éthiopie. Parce qu'il y avait des musulmans qui ont été torturés, d'autres ont été tués, d'autres ont été emprisonnés. Le messager leur avait demandé de faire quoi? D'émigrer, de quitter la Mecque. Aller d'abord à un endroit où ils seront dans la sérénité. Ils seront sous la gouvernance de Liber Moussab. Moussab a rejoint déjà la délégation musulmane qui partait en Éthiopie d'aujourd'hui. Il est parti en Éthiopie. Il a fait la première émigration avec les musulmans. Et peu de temps après, comme vous savez, les musulmans sont revenus à la Mecque. Ils reviennent à la Mecque, Moussab était encore là. Allah a fait que la grande émigration, celle-là même qui a marqué l'histoire, l'émigration dans laquelle le prophète même a quitté la Mecque, s'est organisée de cette façon. À l'an 11 de la prophétie, l'an 11 de la prophétie, 11e année après que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, soit prophète. Le messager Allah l'avait demandé d'appeler aussi les gens d'ailleurs. Pas plus de 100 musulmans. Maintenant, Dieu l'a demandé d'appeler les gens qui viennent d'ailleurs. Et voilà, il y a des Médinois qui ont quitté Médine. Ils sont arrivés à la Mecque. Ils étaient au nombre de 6 personnes. Le prophète Mohammed est parti les prêcher. Les 6 personnes sont rentrées en islam. Parce que eux, ils avaient déjà appris par les juifs de Médine qu'il aura un dernier des prophètes qui viendra. Donc lorsque le messager s'est présenté, c'est devenu quelque chose comme ils étaient déjà avertis. Ils sont rentrés facilement en islam. Ça, c'était l'an 11 de la prophétie. Et ils sont retournés à Médine. L'année qui a suivi, qui est l'an 12 de la prophétie, 12e année de la prophétie du prophète, voilà, les 6 qui sont partis là, il y a eu maintenant 12 personnes qui sont devenues musulmans et qui ont quitté Médine pour se rendre à la Mecque, pour venir rencontrer le prophète. Ils arrivent, ils ont rencontré le prophète. Le prophète aussi leur a parlé de l'islam et ils étaient vraiment satisfaits. À leur retour à Médine, le prophète a envoyé Moussab avec eux. Moussab ibn Umayr, toi il faut aller ensemble avec les Médinois, tu t'installes à Médine, tu seras l'ambassadeur de l'islam. C'est toi qui vas représenter